Ici, nous trouvons sur ces images, nous trouvons comment est-ce que la fille a eu du caractère et qui a permis à affronter les dangers, la souffrance et les circonstances difficiles pour parvenir seulement à aider sa mère qui avait des difficultés à traverser ce pont de liane et qui amenait à manger pour toute la famille. Quels sont les types de courage qu'elle a eu? Et le type de courage, elle est devenue résiliente, de trouver l'équilibre tout en étant consciente de l'ampleur du défi à relever. Et ses conséquences aussi physiques à surmonter, parce qu'elle pouvait même tomber et ça aurait des conséquences physiques. Et ce type de courage était en même temps social, moral, et émotionnel aussi, je peux dire. Et quels sont les avantages qu'elle a eu en ayant ce courage-là pour aller aider sa mère? Elle a d'abord essayé d'empêcher du pessimisme, essayé d'empêcher du pessimisme injustifié, car la fille a cru à elle-même et à sa propre efficacité. Et comment elle a eu ce courage-là? Moi, je pense que pour avoir ce courage, elle s'est donné d'abord des objectifs. Il faut que maman puisse traverser parce qu'elle court un danger là. Et puis ensuite, elle s'est lancée un défi de traverser, vous voyez là, les dangers là, qu'elle pouvait même tomber dans l'eau pour traverser ces ponts-là. Et c'est très bien pour se lancer souvent des défis-là et pour avoir du courage. Merci pour ces petites vidéos. Ça me sert de leçon pour aider la famille. Et la maman a bel et bien traversé ces ponts-là. Et la famille a été bien servie avec son bébé au dos. Merci. Vous pouvez vous abonner. Nous aurons encore un autre numéro pour discuter. Merci et bye.